Ouais, c'est pas mal. Donne-nous pas le même. Mais bien pas mal. Je sais que je suis là. C'est pas la photo, c'est la vidéo. Oui. Vraiment. C'est bon. Je devais être le témoin à ce mariage. Et comme je serai toujours en retard, comme d'habitude, là, c'est pour ça qu'on m'a changé. Et comme tu es un bon buveur de vin là. Non. Aujourd'hui, là, je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je vais arriver au mariage et t'emmener sur ce qui est sûr. Mais pas grave. Marielle, là tu es Irène qui va se marier. Ça c'est mon époux. Je pense que ça me parle quand même. C'est quand même à réfléchir. Donc, après ce mariage, je crois que je vais directement changer. Soulève un peu ta. On verra. N'est-ce pas? Soulève qu'on voit. Voilà, parle maintenant comme ça. Voilà. On verra. Ça c'est manga. Je crois que tout à l'heure, après. Non. Tout ça c'est une mise en scène, n'est-ce pas? Oui, je dois toujours. Est-ce que avec ma fille? Non, okay, pas avec ta fille. Entrent, c'est pas une mise en scène avec ma fille? Non, absolument pas. Une mise en scène avec ma fille. Absolument pas. Admettez, ils veulent pas servir. Vous venez là. Allez, on va sourire. Alors, là, nous allons vous faire croire que ce couple est marié en réalité. Voilà, les invités sont là, ils attendent le mariage. Il faut qu'on l'ait lequel? Ancien temps. Donc, tout ceci pour vous dire que le film est toute une mise en scène. Ce couple n'est absolument pas marié. Qui a dit? Nous on n'a rien dit alors. Donc, en réalité, monsieur docteur Jules s'appelle Justin et Irène s'appelle Marielle Pourreau. Donc, il joue juste le rôle de la mariée et du marié. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous décoller quand même, non? Quelles choses sérieuses commencent. Irène. Oui. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Irène Ingrid Ashley Poro?
Oui, monsieur le maire, je le veux. Mademoiselle Irène Ingrid Ashley Poro. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Jules Charles Mabou? Oui, je le veux. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Le mari, vous pouvez embrasser votre épouse. Le coup de ça. Ouais, pardon,